Bonjour Bandeko, bienvenue dans l'Internet de Gué pour agir. Aïe, Louis Kinshasa, Ndekonabino, Lelo, Toko, Solola, Makamwa, comment reprendre le contrôle y a Baminere à Congo. Et ça, question fondamentale. Comment redevenir le propriétaire des non-minéraux? Et ça, question moro donc il y a c'est une question donc stratégique, c'est une question fondamentale que congolais tout il faut azala alerter, azala informer aiba quels sont les enjeux à makamuya minene où il faut déterminer makamu masolonyos tout. Ils ont la match à football, ils ont la okay, université, ok classe, tout ça. Mais solo est belé. Mais les solo moko, il faut informer le reste à ma solo. Ah, ma solo match, il y a football wana, ma solo va Messi, va Ronaldo, et ah, beaucoup de ma solo wana, mais il y a un point de départ. Il faut que les solo ils ont un point de départ, ils ont permettre bino. Donc comment récupérer donc nos minéraux, que faire pour récupérer nos minéraux exactement, et la question très fondamentale. Alors point de départ, il y a un peu déjà et au Congolais, il faut avoir conscience en haut. Au moins si on fait film, il y a un film c'est comme une katikati. Il y a un film nyosote, il faut le commenter. Au moins il y a un film dans les bandes de Tina Souka. Puis, moi, tu as un film, à repère, c'est à mémoriser. Il y a un film, donc, on est obligé, on est obligé, on est obligé, et puis, on a un développement, puis, on a un souki. Quand on a un peu surpris, on a un rapport, un documentaire, un reportage, il y a Alain Foucault, tant que bataille en haut. Alors, comme ça rapport moko à tout le monde historique, ça rapport moko qui est bandit depuis colonisation au Congo, à la domaine de la Bamine, quand on passe à la compréhension moko totale, globale, exacte, c'est ça un peu difficile. Alors, l'objet de tout ça les années, tout le monde, nous sommes à la programme, à la claire, que Bisso et l'autre au Salawa, ils ont armé la population de Bisso, ils ont analysé le Makambo, Yaminene, le grand enjeu. Makambo est stratégique. Makambo est déterminé qui est le Bisso. Les questions sont maïs stratégique. Ce qui m'a été, bon moi y a été. Ce qui m'a été, bon moi y a été. Ce qui m'a été, bon moi y a été. Donc, il y a donc dommage, nourriture, maille, nous sommes d'accord. Et ça, c'est fondamental, stratégique. Alors, minéré, ils allaient payer stratégique. Et ça, stratégique parce que l'économie mondiale, ou bien le monde industrialisé, ils en ont besoin, ils en ont accès sécurisé, garanti, contrôle, minéré. Les pays industrialisés, États-Unis, Japon, Russie, Chine, France, les pays européens, Australie, les pays sont là. Ils en ont besoin, ils en ont accès à la matière première. Donc, cuivre, manganèse, zinc, coltan, cobalt, pétrole, on a besoin de bilogouan. Si vous avez accès à la côté, ou bien que l'approvisionnement est dérangé, donc il y a l'économie et côté à mon boulot. Donc, pour nous, on a considéré comme stratégique. Donc, contrôle, il y a uranium, il y a Niger, pour nous, français, c'est stratégique. France, il y a une guerre, ce que l'on dit, quand on dit là, il y a uranium, il y a Niger. Parce que au moins, plus de 50% il y a électricité en France,
Et ça produit à partir à uranium. Et une bonne partie à uranium, on est au Niger. Nemo, on a ma compagnie, il y a téléphone, il y a ma portable. Ceux qui comptent les athées, ceux qui combattent les athées, ma compagnie, on est au salaté. Mais après, il y a une guerre et pas un. Et comme c'est le cas dans le Congo, il y a une guerre sans fin dans le Congo pour avoir contrôlé les minerais. Donc, il y a une guerre déterminée. Quand je dis déterminée, il y a une guerre dans la guerre. Il y a une guerre dans le Congo. Il y a une guerre dans le Congo. Il y a une guerre dans le Congo. Donc, il y a une guerre dans le Congo. Tu vas comprendre très bien. Donc, on a. Point libre. Donc, dépendance, il y a un pays soi-disant industrialisé de la matière première et en grande partie, et c'est à Bangoté. Même si un pays comme Australie, États-Unis, c'est la matière première, mais du point de vue stratégique, c'est suffisant. Il faut qu'en dehors États-Unis, Australie, tout et tout, il y a la matière première. Donc, on appelle ça absolument stratégique, ça fondamental. En répétant, on est sur la guerre, dans le pays, nous sommes empêchés de nous en accès à la matière première. Donc, tu parler de ma soeur qui était là. Ils ont ma soeur qui a gagné. Comment les faire comprendre? Alors, quand nous sommes là, ils allaient point libre. Point mi-balé, tu as un balé mignon. Monde, tu as allé, ils ont un monde moko, ils ont divisé en deux. Ils ont d'un côté, ba bengi ba nation dominante les États-Unis ba Grande-Bretagne ba Chine bango ba ko dominer monde donc volonté na bango yango nezo konza mukilo et puis on a ba pays dominé les ki ba Congo ya biso ba Sénégal ba pays ndengo ba pays dominé ba na voix de ba na puissance internationale ba imposer mutelo ko mongote bango ne ba imposer bango ozomona ne biso. Ceux qui produisent le diamant, ceux qui produisent le pétrole, ils ont une décision d'habitude, ils ont une décision, il y a une nation dominante. Et puis, relation où on a, il y a une relation coloniale. Dans l'équipe, on va comprendre. Ils ont une question entre partenaires et égaux non. Tout ça va partenaire des. D'un côté, on a une nation dominante, tout bien avant, une nation colonisatrice. Même si Chine a colonisé le Congo, même si Angleterre a colonisé le Congo, mais dans le cadre de la relation, c'est la relation dominante, la dominée. Alors, base de c'est la production coloniale, donc colonisation. Colonisation, et nous avons un groupe bambou comme nous se développe économiquement, politiquement, socialement, au détriment. Et nous avons contrôlé l'économie. Donc, si on a colonisé, et nous avons l'économie, et ça a contrôlé par la puissance étrangère. Non seulement contrôler l'économie, mais contrôler même la langage. Et puis que bateau bagui ba embrouiller peuple parce que d'habitude ba faux débat. Quand je dis faux débat parce que d'habitude ba tribalisme oh yaza mongo yaza loulouwa etc etc. Non, première chose c'est ça que Congo là ça dominé ça colonisé osa na yo Congo za no moulou za no mongo za no swahili peu importe osa avant tout dominé colonisé donc osa la contrôle ya mabele na yote. Aux en a contrôle, il y a les colons à côté. Aux en a contrôle, il y a rien. Il y a rien économiquement, monnaie n'a eu contrôle à côté, contrôle à côté. Comment on va faire comprendre avant tout? Donc, si on a dominé, il faut absolument payer. Et ça, on a montré ça dominant. Bah, dominateur, il faut pas ça. Si on a colonisé, il faut qu'il y ait des colonisateurs. Les tigres, ceux qui boutent, il faut mourir ça là. Ceux qui montent, il faut malir ça là. Ceux qui les colonisent, il faut nasser ça là. Ceux qui mouillent, il faut mourir ça là. Au moment là. Donc, on est à la dialectique en nature, et ça, donc, on a aïe, bah, vent, tout, à ça, on a sapeur, mais il y a un des premiers caractéristiques, on a été, on a un élément le plus déterminant, on a contrôlé
caractère nyonso ya congolais. Ozala sapeur, ozala mouta ya église, ozala mouta musique, ozala oza chômeur, ezala oza diplômé. Ah, première chose, ils ont déterminé tout congolais avant tout. Ils ont dit, le Congo c'est un pays colonisé. Par conséquent, les Congolais sont des colonisés. On est à point de départ. Si vous saisir en haut, ma caromie est comme facile. Or, dès qu'on comprend que vous êtes colonisé, ce qu'il faut identifier, colonisateur, depuis soi-disant indépendance, ou la fausse indépendance, parce que Congo, indépendance, on a donc, après ce qui deux jours, ils ont appelé indépendance. Le Congo a été sous domination de la Belgique. C'est une domination collective. Aux États-Unis dans le Congo, et aux Chine dans le Congo, aux Britanniques dans le Congo, aux Indiens dans le Congo, c'est une domination collective. Ah, bon, les Chinois, les Américains, ils ont une position beaucoup plus avantageuse si on compare aux Indiens, mais c'est une domination collective. Donc, on les fois, il y a deux choses. Il y a dominé, et puis il y a en face, il y a un dominateur, il y a colonisé, il y a en face, il y a un colonisateur. Donc, l'économie du Congo, c'est une économie coloniale. Te répétant très bien, l'économie à Congo, c'est une économie coloniale. Parce que confusion au côté, on va dire, oh, Congo, c'est une économie coloniale, mais bon, c'est une économie capitaliste, ces années. Non. Prenons ça plus concret, on va dire, économie capitaliste coloniale. Parce que Congo, rôle dans les années, il y a qu'on transférer les capitaux à l'étranger. Rôle à Congo, les années, il y a qu'on transférer les capitaux, il y a Congo à l'étranger. Ni tout le capitaux. Les années. Parce que nous avons tous les Congolais, surtout l'anniversaire de Nabiso, nous avons tous les capitaux, nous avons capitaux, nous avons un bon gros, dollar, euro, livre sterling. Non. Capital à l'Ibosse, les années. Travail, Moussala, non payé. Ah, Moussala, quand nous travaillons, on n'est pas payé. Moussala, voilà, ils ont transféré. C'est un capital. Bon, on va bien un esclavage. C'est ça qui dit. Travail non payé. Donc, travail non payé pour le noir, mais ce travail-là paye le colonisateur. Bonjour, Landa. Travail non payé pour la Bissot. Mais ce travail non payé paye les colonisateurs. Bien sûr, l'opportuniste va congoler le pouvoir, on va suivre par là. Tant qu'on va dire, foutu mon dieu pendant 6 mois, 1 an. Non, le travail va produire richesse. Mais richesse, on est qui? C'est capitaux. Donc, labeur et sa capital. Et puis, deuxièmement, tant qu'on va dire, quand tu as la quantité à cuivre dans le Congo, vous imaginez 1 million de tonnes à cuivre dans le Congo. Et puis, les occidentaux, les Chinois, ils sont là, ils ont petit prix. Ils sont là, ils Tesco, bien à Carrefour, ils continuent dans le magasin, ils ont produit, ils sont dans la caisse. Ils ont dit, voilà, ils ont payé 20 centimes. Ils sont fous. Puis, on dit, non, mais c'est la loi du marché. Donc, marché, ça y est, quoi. Marché, ça y est, marché, ça y est, colonisateur. Parce que les colonisateurs, à quoi le bataille, ce sont les colonisateurs qui fixent les prix. Alors, le marché fixe les prix. Alors, la loi offre la demande. Non, les colonisateurs fixent les prix. Mais, point dans les années, c'est que, tant qu'on a un transfert à 1 million de cuivres, ils ont transfert à capitaux. Cuivre, ils ont capitaux. Cuivre, ils ont investissement. Donc, occidentaux, chinois, japonais, nous sommes en Afrique pour recevoir capitaux, c'est-à-dire pour recevoir investissement. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Parce que je suis en train de dire que vous avez été RFI, France 24, BBC, ou l'université, ou l'université, élite n'a pas besoin de non. Bango, après ça, la formation coloniale. Bango, former au point d'avoir comme un fonctionnaire à colonialisme. Bisous, ce pays, c'est l'éducation anticoloniale. Pour avoir conscience que non, dans un cadre économique colonial. Autrement, ma camarade mine, tu vas discuter comme il faut.
parce que photos en a paradigme ils a en faveur il y a l'Afrique donc il y a Congo sur so, au discuté ma grand mino na paradigme il y a colonisateur il y a colonisateur au comprendre en fait au sur la position au et position mingi parce que yango wana oh bah chinois bah ça yango moins bien oh bah américain bah ça yango moins bien. Alors que pour moi, ma mine dans le Congo, pour moi, ma minerai dans le Congo, ce n'est pas un choix entre les Chinois et les Américains, entre les Occidentaux et les Chinois. Non seulement dans le Congo, dans toute l'Afrique, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que contre les Occidentaux. Non, pour eux, mais avant tout, pour eux, ma minerai dans le Congo, ils ont avant tout un problème fondamental entre le peuple congolais. Na colonialisme. Donc, conflit majeur yangoana. Conflit majeur yangoana. D'un côté, système colonialisme. Hein? D'un autre côté, on a un peuple africain. Dans le cas de Congo, donc peuple congolais de Sokolini, dans le contexte de Congo. Conflit yangoana. Conflit, c'est-à-dire entre Américains et Chinois. Parce que les Chinois, occidentaux, bazar se développer dans le contexte il y a un système colonial. C'est-à-dire que ils viennent d'Afrique pour avoir la capitaux, ba ben yango matière première, ba ben yango travail non payé. Voilà. Bien que l'histoire ba chinoise est un peu différente na occidentaux parce que chinois ils savent que non, na na colonisation, nga na sagi na conférence à Berlin, mais le problème est que le système colonial c'est un système international. Et que le développement ici, c'est comme ça, dans le contexte, il y a système, il y a domination, il y a ma nation. C'est-à-dire, et ça, dans le contexte, c'est ma nation, et ça, dans le contexte, il y a conflit entre ma nation dominante et ma nation dominée. C'est dans le contexte, voilà. C'est dans le contexte, voilà. C'est dans ce cadre-là que la Chine utilise le même mécanisme que les Occidentaux. Donc, question qu'on les fasse poser. Osa pour colonialisme ou osa contre colonialisme? C'est ça la question fondamentale. Et non pas sur ça pour la Chine ou pour les Occidentaux. Non pas sur ça pour Fatih ou ça pour Kabila. Ou ça pour la Mouka sur l'Ingi à Fayou. La question n'est pas là. La question fondamentale, vous allez pour colonialisme ou vous allez contre colonialisme. C'est ça la question fondamentale. Les Congolais ont tout fait sur le débat, dans l'église, dans le Katendaku, dans le mariage, partout. C'est la question fondamentale. Donc, ceux qui répondent à la question correctement, donc, au commis par réponse, ils ont sauvé le Congo. Ceux qui répondent à la question défavorablement, donc, au commis par, il y a maintenance, il y a système colonial. Parce que le système colonial dans le Congo est coufaté. Indépendance, son centre, n'a pas mis fin au système. C'est pour ça qu'ils ont supprimé le Lumumba, le gouvernement, pour la continuité coloniale. Et ça, absolument important à comprendre. Donc, alors, pendant qu'on récupère les minéraux, donc ça c'est la première question. Pendant qu'on a récupéré nos minéraux, il faut bananami tout n'abuse avant tout. Il faut et bananami tout n'abuse avant tout. Ce qui se passe dans le Congo, c'est un problème colonial. C'est un problème colonial. Que les Chinois, les Occidentaux, les Américains, les Aliens, les Bangos, s'affrontent chez nous pour avoir le contrôle des minéraux n'abuse. Kabila ça dit, cop nae, les Chinois. Bien que l'Américain bon, est bah, China na pouvoir, mais ça, les camps, ils favorisent les Chinois. Parce qu'il faut vous avoir conscience les Cambodges. Kabila est bien. Bah, Taliban, il y a Afghanistan, bah, est bien. Bah, Turc, bah, est bien. Bah, Venezuela, bah, est bien. Bah, Bolivien, bah, est bien. Une bonne partie du monde entier, ils comprennent que les États-Unis, c'est une puissance en déclin. Les États-Unis, c'est une nation en perte de puissance. C'est-à-dire que puissance, force États-Unis, ils ont quitté. Ils ont quitté. Parce que tout ça n'a qu'à passer le baron, parce que tout ça n'a système philosophique moins cohérent. Et ça va bien, tout ça va internationaliste africain. C'est-à-dire que tout ça n'a philosophie moins internationale et on permet de tout analyser le monde scientifiquement et puis correctement. Donc, Batébéla Moukili, bah, comprendre que les États-Unis sont une puissance en déclin. Donc, bah, nous avons bah, hésité, bah, c'est la COP dans la Chine, vu la puissance de Moussous.
Probablement que les États-Unis ont une force à Zara Nangote, comme dans les années 60, les années 50, ou juste après la soi-disant Deuxième Guerre mondiale, il y a 40-45. Donc, Kabila, l'entourage, il y a eu un conseil, il y a eu bien. Donc, les Américains, ils ont un plan africain. Africain, il faut comprendre. Les Congolais, il faut comprendre. Les Américains et les Chinois, ils ont s'affronté pas seulement car dans le Congo. Ils s'affrontent en Afrique, ils ont s'affronté en Afghanistan, ils ont s'affronté dans la mer et la Sud-Chine, dans l'Asie, ils ont s'affronté en Amérique latine. C'est-à-dire que les Congolais, il faut avoir la compréhension. Les Chinois et les Américains, ils ont s'affronté dans le monde, mais ils ont s'affronté place Nini. Parce que yo pe fo landa combana partout pour que sa position soit correcte pour yé ba nani baza ba allié na yo objectif parce que neutre azaté neutre na mokulu azaté ba Venezuela ba neutre été ba Afghanistan ou bengi ba Taliban Afghanistan baza neutre été ba Iranien ba neutre été ba Américain ba neutre été ba Chinois ba neutre été personne ne neutre yo pe Congolais faut s'en approcher na mokulu clair mais position la fait bana wapi. Fais avant tout anticolonial. C'est-à-dire au boy développement ya mukili au détriment ya Congo. C'est-à-dire que rôle la Congo sera aider ba mususu ba créer vie, ba recréer vie na bango, bon mengo na bango au dépend de notre avenir. Et nous voici Congo ça n'avenir dé. Congo ra transférera travail na non pays ba matière première na presque gratuitement etc. etc. Et puis, conséquence, c'est quoi? C'est la mort chez nous. Bah, rivière polluée. Bah, bombée. Hein? Bah, tsupunatolo. Hein? Donc, bah, kiss na hôpital, exaté. Bah, route est salagate. Hein? Etc., etc. Bah, ADF tue comme, comme si, donc, l'État n'a pas connu ça en angoté. Etc., etc. Donc, faut, point de départ, c'est ça. Que ça, question anticoloniale. Une fois qu'on suit position, voilà. Il faut passer dans le deuxième point, c'est qu'il faut se poser la question. Leadership anticolonial, ezali wapi? Et puis leadership pro-colonial, ezali wapi? Ou ça a raté, oh, tu vas mettre à l'icône, tu vas mettre à l'icône, tu vas mettre à l'icône, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, non, 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 faut y avoir avant tout. Bah, donc, c'est comme si, tout ça, c'est qu'on a deux tribus dans le Congo. Tribu y'a bas. Pro-colonialisme, na tribu yaba anti-colonialisme. Yo suko fo pona tribu na zanine. Kwa le sema kamte yo za soji mungala, za soji muta sud, za soji muta kasai. Non, 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 non. Fo sa position ana. Le reste, c'est un opportunisme ana. Parce que le bio, quand il m'a soudé ba tribaliste, wana tribu yaba opportuniste. Donc, ça comment on bimba na opportuniste parce qu'on avait colonialiste tout donc on va former tribune d'abord un opportuniste bah divisionniste bah régionaliste hein etc 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 mais tout ce qu'on a besoin de créer mouvement il y a anticolonialisme mais leadership n'est pas ça wapi et puis leadership il y a bah pro colonialisme ça comme ça aux a clair qu'on a qu'un été parce que bah toi là bah on va ça bah pro colonialiste c'est à dire pour les bangwa que comme fait ça la marag ou soit nous on a bah chinois soit nous en avons français, nous avons américains, etc. Indépendance à Congo, ça ne leur dit absolument rien du tout. Oh, indépendance, ah, yo besoin d'une ouana. Salakop nao, la ricotta, magara mikolo. Donc, il faut sa position. Or, qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Dans le Congo, dans la scène politique, ils sont dominés par la force pro-colonialiste. Conséquence, il y a assassinat, avant tout, il y a renversement, puis il y a assassinat, pas dit ce Lumumba, et puis il y a défaite militaire, il y a mouvement, il y a Mulele, et ça, que mouvement anti-impérialiste dans le Congo, il y a vaincu militairement, pas politiquement, militairement vaincu. Ça, il fait que le pouvoir, depuis les années 60, Tilelo, pouvoir administratif. Donc, il y a un exécutif, il y a un contrôle d'administration, il y a Congo, l'État, il y a Congo. Il y a une opposition. Il y a formé même camp dans le Congo, quand il y a un pro-colonialiste. Il considère les nations dominantes comme leurs partenaires.
Mais le problème est que dans ma partie na bango, on a deux, on a une contradiction makasi parmi d'autres. Et ça que le masse bah ça dans le flou, bah ça pauvre, mais la tête, la direction est riche. Donc ce qu'on dit, ma partie bah ça a pouvoir chez Bissot, dans ma partie bah contrôler l'opposition, c'est avant tout le parti des riches, des pro-colonialistes, des opportunistes. Donc, point d'abord, faire un deal avec telle nation dominante ou une autre nation dominante, et ça coûte problème. Kabila, Kop, Naba China, Ata la coûte. Fati, Mikolo, Naba Mike Hammer, Ata la coûte. Point d'abord, question ça a été qu'on va comme indépendant ou pas. On a déjà question d'abord. Bon, on s'y va pour on a déjà. Bah, ça pour la continuité coloniale dans le Congo. Il faut que ça soit clair. Nan. Donc, ma kama minerai na Congo, bras de fer ou ça entre Kabila na Fati, ba Chinois na Américain, ce n'est pas pour rendre les mines ou mabele na biso au Congolais. Non, c'est pas ça. Ça te passe son gisla biso mabele. Non, non, non. Ce que l'on dit mabele, son apan na yfo bunda pwana yango. Ah ouais. Ce que l'on dit mabele, comme il y a ba Congolais, yfo bunda pwana yango. Ne dit pas Taliban, ne dit pas Afghan, ils ont 20 ans. Tu as 20 ans à Congo. Comparé 20 ans à Congo, on a fait en Afghanistan. 20 ans à Congo, 10 millions de morts. 20 ans en Afghanistan, même pas 1 million de morts. Même pas. Parce que l'Afghan, les Taliban, ils ont avant tout force anticoloniale. Benga bango ba djihadiste, benga bango ba musulman, benga bango ne boulingi. Mais une chose est vraie, ils ont anticolonialiste. C'est-à-dire, pas de domination étrangère en Afghanistan. Pas de domination étrangère en Afghanistan. Il est ce que je pense leader dans le Congo, l'opposition, notre demande à pouvoir, à se représenter, conscience, il y a rejet total, il y a domination étrangère à Congo. Et ça a été. Donc, il ne faut pas. Donc, Bissot va Congolais, photo là, mon gars, photo Tikako là, il faut être comme un sérieux. Pas monnaie respecté biso. Ah. Botalaka programme Alain Foucault atteint un salaire sur Mamba Congo. Bien, voilà. Kabila Pessi atteint Congo pas chinois. Non. C'est vrai. À cela copine ba chinois. Mais les enjeux c'est que ba américain balingi ba diminuer si possible ba effacer influence ba chinois parce que ba américain ba lobby faut maintenir leadership il y a monde capitaliste colonial. Fait si quand même beaucoup d'abango. Oh bah chinois, bango, baza prêt, bah comme leader, il y a économie mondiale capitaliste. Et que bah tu m'as bah ça là bah prononcer qu'il y a un sens ouana, que comme États-Unis au Kita, donc ce qui États-Unis au Kita, il faut que ça ait une puissance morale et somata. N'importe quoi, beaucoup fa, mais aussi beaucoup de botama. Ah, ils en ont quoi là? Liwa, n'importe quoi, ça ne m'a pas ça. Donc, s'il y a une puissance qui est en déclin, mais il y a aussi une puissance qui monte. Donc, bah, Chinois, bah, on est la puissance qui monte. Et bah, mais, bah, pas question de vous céder. Donc, combat la Bangouana, ce n'est pas notre combat. Combat la Bangouana, récupérer notre pays, récupérer nos pays, récupérer nos terres. Donc, on les a enjeux fondamentaux. Même bah, sa discussion sur l'élection, qu'on permet de voter bah, obscurcir question. Wana. Que si on m'a belé, il dit question de l'élection musica. Les canaux, ta mafia, bah, sa élection va voter, nan, sa, les grands dirigeants mafieux aussi. Puis on a la mafia démocratique, ce qu'on dit. Ah, bah, mais qui va voter à chaque 4 ans? Ben, on a nation démocratique, mais non. Bah, ça avant tout, nation dominante. Alors, on va comprendre tant de choses que le colonialisme, c'est le premier problème dans le Congo. Donc, ce qui est colonialisme, c'est un doki. Il n'y a pas plus grand doki que le colonialisme. Ah, yo, Lucan doki, ce que je passe à Ipsagibino, l'accent doki a commis 10 millions. L'accent doki a commis 10 millions. L'accent doki a commis 10 millions.
Américains à travers AFDL, à travers M23, à travers CNDP, à travers Armand Kagame, à travers Museveni. Ils ont mis 10 millions dans le Congo. Hier. Rivière Nakatanga. Ba rivière Nakatanga. Ba rivière Lola, 60% de l'ambi est pollué. La compagnie minière est polluée. Il y a l'accès à Nogi, il y a pollué la rivière Nengwana. C'est ça le colonialisme. Le colonialisme, c'est un mot côté. Oh, ma belge, ma colonie, biso, belle abso civilisation. Non! Ma belge, belle abso civilisation, c'est faux. Archi faux. Archi faux. Belle abso colonialisme. Et on est comment les faire comprendre? Donc, ma chinois, ma américain, na Congo, comprendre ma bonguisa. Nana Ouzala, le grand colonisateur dans la région. Wana. C'est ça la question. Mike Amerabine, fouet sa américain. Vous connaissez les Américains? États-Unis, Botami Nengeni. Et Botami parle le viol de l'Afrique. Esclavage. C'est le viol de l'Afrique. C'est le viol, il y a Colombo en États-Unis. Hein? Ben, soit disant Indien. Pays ni wana. Pays ni Botami na viol. Pays ni wana. Tala yomoro. Pays est botamana na viol, 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 viol. Yo benga ba soutenir ba on ba panabino. Ma grand-mère, c'est symbole la wana. États-Unis, c'est un plan africain, pour les Africains, c'est un plan africain pour les États-Unis. Chine, c'est un plan d'ailleurs africain, mais pour la Chine. Bon, je suis au plan d'abus africain, ça place ici. Et dans le lobby, il faut l'an d'akombango. En dehors du Congo, parce que Bango, parce que dans le territoire rébellé, et puis parce que coordonnant, il y a ce que nous avons dans le Congo. Non, il faut que nous avons à Londres, il faut que nous avons à Washington DC, il faut que nous avons à Paris, il faut que nous avons à Bruxelles. Et ça, combat international. Chaque pays sur Gaza fait comme un franc combat. Oh, il y a sur le terrain. Non, il y a à Londres, on tape sur le terrain. Il y a des minéraux Congo, en Londres, stock, on est. Stock Metal Exchange. Et ça, à Londres, jour ni jour, il y a des démonstrations qu'on a. Jour ni jour, il y a un mouvement, tu es au Sénat. Les pierres doivent payer. Mouvement, tu es au lancé en quoi? Les génocidaires doivent payer. En anglais, tu es au Make Belgium Pay. Il y a colonisé, il y a au foutu le monde. Au pied, il y a ils n'ont même pas dans le passé, va payer, ils nous pillent tous les jours. Et puis, comment les bâtons demandent de mon côté? Zéro demande. Miba et Bana avant, ils sont de Bretagne. Et enrichi, Belgique, dans ma pays, Moussous, Israël, tout et tout. Et Congolais, ils demandent, attends mon côté. Bah, Belge, bah, puis, ils ont saranaté. Bah, Américains, ils ont saranaté. Bah, Britanniques, bah, tout, on pille dans le Congo tous les jours. Et il n'y a pas un mouvement revendicatif. Il y a pas Congolais. Bon, c'est la réélection. Et puis, ceux qui ont la démonstration, oh, la vérité des urnes, la période, il y a vieux Titi Zagini. Ah, la Bosnie slogan de la Juana. Au Kabila, il y a eu l'élection. T'as là-bas, Congolais, dans Downing Street, dans Paris, des milliers de milliers. Mais zéro demande vis-à-vis, il y a pas colonisateur, zéro. Alors qu'il y a pas colonisateur, c'est eux qui déterminent, qui contrôlent tout. Ah ouais, on va contrôler tout. Donc, problème à récupérer les minéraux. Donc, il faut identifier la question du colonialisme. Deux, il faut identifier la direction de la lutte et sa direction anticoloniale ou pro-colonialisme. Ah ouais, il faut identifier, voilà. Et puis, alors, troisième élément, il faut aussi battre. Ce qui est réellement au Lingara Congo, ce qui est réellement au Lingara qui pointe ça. Parce que l'ingara qui pointe ça, ce que l'ingara qui pointe ça, aux autres gars, ce que l'ingara qui pointe ça, on a la constaté, je déteste l'oppression, oppression, exploitation, c'est-à-dire que ce qu'on a exploité, ce qu'on a opprimé, yo na meuble différent c'est comme ça que les occidentaux, tiens même le code na bango, code noir, va codifier en haut, le loi na bango. Le loi bien en code noir ni va bien na ba né 1700 1800. Ba bien en loi immigration. Loi immigration c'est la loi anti-noir.
c'est pas loin de coloniser. C'est pour nous rendre vie à coloniser difficile. Bah créer bah élément à guerre biologique, bah Ebola c'est la guerre biologique. C'est dire que colonisateur à ça clair dans mission aille, faut contrôler coloniser militairement, politiquement, économiquement, socialement, idéologiquement. Les journaux les autant, bah idée c'est ayoté, c'est idée à colonisateur. Université yoké, y a yoté, c'est à colonisateur. Curriculum université, ils en Afrique, ils en apportent, y a yoté. Film au talar, y a yoté. Tourne ça va, l'ouvre à colonisateur, faut contrôler bah cerveau dans l'iso. Donc il faut se poser, la question, ce qu'on s'allie choix, aux la par un mouvement anticolonial, mais si quoi, faut s'allonger par la pratique. N'est mal au bagarre pourquoi barater que ah Nathalie Ndegoloise n'a d'accord naé c'est pas suffisant faut qu'on ait plus loin n'arrive comme un membre d'engenin n'arrive quoi adhérer d'engenin yo quoi apporter contribution naé d'engenin faut qu'on ait plus loin faut un aspect pratique c'est-à-dire par combat na Congo échanger par tout récupérer va venir en Abisso et il faut mouvement anticolonial et comme un majoritaire et comme un dominant vis-à-vis un mouvement pro-colonial. Il faut mouvement anticolonial, c'est-à-dire mouvement, il y a self-détermination, il y a autodétermination, et comme dominant vis-à-vis un mouvement pro-colonialiste. C'est-à-dire que politiquement, il faut défaire un mouvement anticolonialiste, un mouvement pro-colonialiste. Politiquement, idéologiquement, il faut qu'on gagne en haut. Et on te bien ramène tout ça, la guerre des idées est tombée à Macan ici. C'est pour ça qu'on. Tout le programme. Et ça part à combat, on a une idée où ils sont pro-colonialistes, une idée à démission nationale, une idée à résignation, une idée à collaboration avec les occupants, avec les oppresseurs, il faut ça la battre en brèche, il faut qu'on défaire en haut, qu'on les fasse comme intolérants vis-à-vis de l'idée de soumission nationale. On doit les soumettre au Congo, les soumettre au Congo, il faut qu'on résiste à l'idée. Museveni a solo baki a soko narge biso qu'est-ce qu'il dit a kozonga a fa a so menesa a songa na Congo a tina armenia na Congo comment les face là ne bagne vol bag a pinoms c'est dire que mobiliser debout partout ambassade ya Uganda partout dans le monde aux alibanda presse moningisi yango que il peut pas nous menacer et que toi on a droit ya autodéfense aux hommes là. Mais tout ça dépend de la capacité de recréer un mouvement indépendantiste, c'est-à-dire autodétermination. Et il y a une leçon il y a 60, parce que le rôle de soutien des jeunes années, il y a une leçon il y a années 60. Pourquoi le Lumumba avait gagné et comment le Lumumba avait perdu face à l'ennemi. C'est la leçon et l'histoire, il faut oublier que l'on ou assimiler, pas tout répéter, mais rien, on a été. Et puis, le pays moussous, il ne faut pas se débarrasser de la direction pour colonialisme, etc. etc. Tout le monde a, c'est la question de fond. En tout cas, dans mon livre de commentaire, il y a un mot de la bâtiment sur le basseau de la mission. Et puis, bon, je m'excuse, hein, bah, commenter en sous, c'est l'écrit de l'icône à mon yamote, mais à partir de la monnaie en Hollanda, on a mani na déco héritier Samba, ces minéraux sont partis, ou pour qu'on aille récupérer. Ok, autre question, moi, très bien. Bah, minéraux à Congo, et ça va, ce que ça va, par exemple, dans Londres, hein, dans Ndakou Yofan Narawana, bah, tuyaux et transporter Mayamoto, électricité, cuivre, wana, et où tu Congo? Et vous dites Zambie, et vous dites Chili, mais une bonne partie, et vous dites Congo. Ah, donc, au côté de la voiture, voiture, tout est en combat. Parce que pendant ça, bah, tuyau d'échappement, pendant le catalyseur, turbine éolienne wana où je fais tourner à bien on s'y à moi qui m'en aille à ma chose à la fil côté Angleterre on va pilon mora milaï à et puis un charme à ventilateur et les papa moi se tourner boyer donc on a transformé énergie éolienne
na énergie électrique kobate za na kati ah surtout mon ba si ba recharger ba batterie na ba quartier mi on les gars mona ba tuyo station mo ba recharger ba batterie à voiture électrique wana kobate za na kati ba mon téléphone mi mona wana kobate za na kati donc coltan n'en parle même pas et ça na fond nions tout ah donc tout wana et sa place wana minerai ça et ça ils ont un avion, ils ont circulé, ils ont circulé. So, au côté de la métro, so, on a station, ya, ba métro, wana, ils ont un métro, ba métro, il y a luxe, ba escalateur, ba bureau n'y a soin, ok, on a quartier neti, Canada Waters, on a luxe, il y a ba métro, ça wana, ils ont un kati, ils ont partout, ils ont un voiture, ba avion, ba vélo, ils ont un bateau, ba chantier, ba loketo, ya. Je te dis pas. Donc, ni c'est ça moulaï, c'est ça moulaï. Donc, ma minéral, c'est ça, non. Sur tant que ce soit industrie moderne, il y a une transformation de minéraux, consommation de minéraux. Donc, ils en ont quatre, voilà. Donc, peut-être que ça, le programme sur ça, ma minéral, qui est dans la place. Donc, ils ont partout, ils ont la télévision, ils ont et ils ont mis minéraux. Ils ont ébélé. Donc, Yangonde, c'est la vie moderne. Vie moderne est basée sur transformation, la consommation de minéraux en Afrique, dans les pays où ils ont colonisé. Donc, sans Yango, il n'y a pas d'économie. Donc, pétrole, pénégué, mongo, ils ont partout, etc. etc. Donc, vie en Occident, c'est ça. Vie industrialisée, ils ont basé sur les minéraux. Nous avons un État mort, mes compatriotes. Bon, comment il faut comprendre que faut toujours poser des questions. État, c'est un État colonial ou anticolonial. C'est ça la question. Question coloniale, c'est la question centrale. Pour contourner, il faut avant tout répondre à la question. Dans le Congo, il n'y a pas un État anticolonial. C'est un État colonial. C'est-à-dire, État qui est en place pour permettre la domination au Congo. Peu importe l'élection, transparente ou pas, l'État qui est en place, ce n'est pas un État qui est l'ami du peuple. Comment il faut comprendre en haut. L'État en place n'est pas l'ami du peuple. L'État au Congo, c'est l'ami des colonisateurs. Qu'on le fait comprendre en haut très bien. Et puis, voilà, ils ont dit qu'ils ont dit à Neko Jean Didier, Manoa, en tout cas, merci Nabino Yonstou, à Neko Chantal, Maccabi, bonsoir papa Jean, Mote Neko Chantal, nous avons un État mort, mes compatriotes, et puis Neko Albert, Batoubeng, en pro Yalobi, qui a vendu nos carrés miniers, c'est Sama ou Ilukamba. Bon, c'est un processus, hein. Chaque gouvernement à Congo était carré minéré, hein. Mais faut le dire que depuis le renversement à Lumumba, Tshilelo, et ça m'a été ébélé. Bon, et ça accélérait après Chita Mobutu. Parce que l'erreur qui va commencer à voir ça, c'est que va commenter en me disant, autant Mobutu, ça va bien. Non, autant Mobutu, néocolonialisme, c'est un peu du frein à Lelo, parce que Lelo, il y a ce il y a accélération, il y a domination à Congo, accélération, il y a piège à Congo. Hein? Donc, on attend mon bout, on était pillé, ça c'est sûr. Mais Chico, il y a accélération. Parce que, bateau, balibali, a gâteau à Congo, comme il est. Rappelez-vous qu'avant 60, hein, avant l'indépendance, il n'y avait que la Belgique qui était dominante. Et puis, bon, l'Amérique, mais c'est la Belgique qui était dominante. Après 60, l'Américain a augmenté par Nabango. Mais si vous êtes en Congo, il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que le Belge, les Britanniques, les Allemands, les Chinois, les Japonais, les Turcs, les Russes, les Indiens, tout le monde est dedans. Donc, il y a accélération. Il y a piège à Congo. Donc, chaque gouvernement, ils ont en place un gouvernement pour accompagner le piège à Congo. Ils ont la Sama ou le Kamba. Bon, pendant que ce n'est pas nécessaire de comparer. Qui est plus mauvais, parce que Bango 2 il représente le même système, c'est la continuité. Quoi. Et puis, Ndeko Jurès Ngandou, merci beaucoup papa, tu nous apprends beaucoup sur notre pays, que Dieu te bénisse. Ah, en tout cas, Ndeko Jurès Ngandou, plaisir à toi, et attends un commentaire là-haut. Bon, voilà, ma question, on a mon et ça a donc, alors, tu sais, on a battu, comme d'habitude, vous partagez, et ça, c'est important à vous partager, il peut mettre Bamsou sous. Il y a vraiment beaucoup à dire, hein, sur mais on conclure car que Congolais fait plus d'importance en économie. On a une économie coloniale panabiso. Face à tout, pendant la réalité coloniale et coup en Congo.
Donc il y a les bosso, il y a un gros colonialisme. Mais ce n'est pas tout photo bien dans les grandes doki. Bon après il faut s'occuper des mandokiens sous son amitié miki on a. Mais les grandes doki dans le Congo, les grandes doki, c'est un colonialisme. Donc les qui colonialisme, c'est qui doki azade. Ah, il y a un monde de photos longues dans les ventes. Donc il y a une domination nationale, non pas mutumoko non. Congolais tout, non même Congolais ça n'a l'air à sa dominer. Ah, même Congolais ça n'a l'air à zali dominer. Faut comprendre en gros. Donc, c'est tout le pays, c'est tout le peuple qui est dominé. C'est tout le Congo qui est humilié. Bien sûr, ça n'a pas tout parce qu'on accepte l'humiliation. Parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas pouvoir. Mais ça ne change pas que le Congo est colonisé, donc humilié. Ou on a fait ci là. Il y a un gros souci, donc problème numéro un, fait ci là. Il faut de bonne place. Alors, maintenant, on a un débit. Comme d'habitude, partagez, partagez. À liker, liker, attends, liker 10 fois, c'est bon, mais en tout cas, il faut liker. Hein? Ça, c'est une erreur, donc il faut au moins qu'il y ait 60 likes, 60 partages. Donc, chaque minute, il faut que tout le monde partage, tout le monde liker. Donc, challenge, il y a un donc, voilà, on a ce qu'il y a, maintenant, on a l'équipe technique à Congo Synthèse, comme d'habitude. Et puis, tout le monde a dit, vendredi, Oyo, Isali Koya, Bouti Kamala, on vient y aller. Oh, voilà qui pointe ça, la soirée. Et donc, il y a qui pointe les athées. Oh.